Hey yo, salut les gamers, les gamers c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui pour ma première vidéo sur le jeu Trial Fusion. Donc c'est un jeu de Trial pour ceux qui connaissent pas. Et ben regardez sur internet parce que moi en tout cas quand j'étais un peu plus jeune et que je me rappelle j'allais dans les salles informatiques au collège. Comment je geekais ce genre de jeu en mode jeu flash sur les PC des salles informatiques. Et là en fait j'ai craqué pour ce Trial Fusion, j'y ai jamais joué hein, j'ai vu que des vidéos donc là c'est la première fois que je vais y jouer, vous le voyez en bas, carrière 0%, donc peut-être ça, peut-être en fait je ne vais pas aimer mais ça m'étonnerait fortement parce que ce sont souvent des jeux où on prend beaucoup de plaisir. Et ensuite je voulais vous dire quoi, oui voilà, donc pour ceux qui ont une Xbox One, je vous invite à ne pas l'acheter en version CD. Faites comme moi, achetez-le sur le Xbox Live, donc sur le marché, il est à 19,99€ au lieu de 35 je pense. En version CD, donc vous économisez 15€, ça se prend toujours. Et pour les joueurs PC, pour ceux qui voudraient avoir leur jeu sur PC, je vais vous conseiller donc le partenariat donc qui va servir à quelque chose. Donc il y a Instant Gaming, donc les liens du site sont toujours dans la description dans toutes les vidéos. Donc qui vous propose des jeux sur Origins, Steam, tout ça à moins 30, à moins 60%, donc je vous invite à y aller. Et on va arrêter de parler parce que ça fait déjà un peu plus d'une minute que je parle pour un peu rien dire, mais vous ce que vous attendez, je pense que c'est du gameplay. Donc hop, on va lancer la carrière. Donc là on a tous les niveaux que je vais devoir faire et on va démarrer par le premier. Alors programme d'entraînement débutant, mais moi vous savez très bien que je ne suis pas un débutant et que je vais réussir direct les doigts dans le nez, mais bon en tout cas j'ai jamais joué à un jeu de trial avec une manette donc ça va être un peu le carnage. J'y ai joué que sur PC donc alors en bas on a les touches, se pencher en avant, se pencher en arrière, LT freiner, ok, revenir au point de contrôle, redémarrer la piste, ok. Donc là je me penche. Alors freiner, CLT. Hey, freine bien cette moto. Accélérer, c'est là. B, c'est retourner au dernier point de contrôle. Ok. Et ça, c'est redémarrer la partie. Ok. Donc j'ai compris déjà les touches. Donc là, on va commencer ce tutoriel d'entraînement. Donc ah ouais, c'est un peu plus dur que sur le PC quand même. Ouh là là, oui. Oui, je confirme. Et c'est extrêmement sensible. Je nage, regardez. Attendez. Pom, 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 pom. Regardez, comment ça s'appelle ça? C'est un agit papillon, ça, qu'il essaye de faire. Bon, bref, on va retourner au dernier point de contrôle. Et c'est extrêmement sensible. Wow, le truc de cinglé, quoi. J'ai à peine tiré mon joystick en arrière. Wow, il faut vraiment gérer, quoi. Ok, et là, il faut que je freine. Ah, là, c'est revenu tout seul, ok. Non, mais de toute façon, je t'écoute pas, madame. Moi, je fais tout au feeling. Je suis un fou. Allez, laisse-moi rouler. Alors là, il faut que je me penche vers l'avant et que j'accélère, ok. Ouais, bah ça, j'ai compris. Oh, mais tu pouvais me dire quand il fallait s'arrêter. Mais je regardais même plus la route, quoi. Je regardais mon micro. Ah, secours. Allez, elle tombe sur le côté. Hop, nage du papillon. B, pour redonner au dernier point de contrôle. Donc là, on s'abaisse. Pas trop, parce que là, il y a la porte. Et là. Voilà. Ouh, faut vraiment y aller mollo. Eh, comment il s'est mangé l'armoire? Oh, j'ai débloqué une motobilette. Donc voilà. Permis de course. Ah, ils m'ont donné le permis comme ça, ok. Alors, bah, j'ai de la chance. Niveau 1. Continuer. Donc là, on ne peut pas voir le classement mondial parce que j'ai pas de compte... de compte je ne sais plus trop quoi. Donc pour l'instant on peut pas voir. On démarre avec la première course. Donc là c'est pas un entraînement, c'est la première course en mode débutant. Donc si je les foire, c'est en course en mode débutant, je crois que je vais bien me taper la honte. 3, 2, 1. Et il y a des défis. Allez, direct backflip. Moi j'en ai... Oh non, c'est, je vous assure que c'est trop sensible. Ah, là je dis pas le client. Hop 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 hop. Waouh, et ça va être galère quand même. Stop! Ouh, mais quelle maîtrise totale de mon engin! Ouais, bah, pas trop quand même. Hein. Hop, backflip, non, remets-toi droit.
Waouh, et c'est compliqué. Ah, c'est pas un jeu flash, hein, c'est sûr. Oh là là, oh, ça c'était bien ce que j'ai fait. Allez, hop là, double... Oh non, 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 non. Oh là là. En fait, si tu prends trop de vitesse... Ah là, j'ai du papillon. Si tu prends trop de vitesse, c'est vraiment galère. Hein. Allez, hop, un coup de frein, un coup de frein. Voilà. Hop, là, on accélère, on lâche. Où allez-vous? Ouah, et c'est extrêmement sensible, quoi. Fouh, je crois que je vais pas faire le rigolo longtemps. Je croyais que faire des backflips. Oh merde! Oh, je croyais qu'il y avait un autre passage en bas. Moi, je lui ai dit, je vais passer en bas. Mais non, il fallait juste accélérer. Allez, allez! C'est bon, ça passe. Place escalier. Hop, et la ligne d'arrivée. Deux fautes, médaille de bronze. Je fais quoi? Je recommence? Allez, je recommence. Je pense pas que je vais tout recommencer à chaque fois, hein, mais là, c'était juste parce que je faisais un peu le fou. Donc je vais essayer de pas faire le fou et plus me concentrer sur la médaille d'or. Ça serait déjà bien. Oula, oula, oula. Oula, attention, hein, muchachos. Hein. Allez, alors on lâche l'accélérateur. Oh, oh non. Et j'arrive à tomber en mode débutant. C'est grave. Mais en même temps, je vous le dis, j'y ai jamais joué à un jeu. Hein. Je l'ai... J'y ai joué... Je viens d'y jouer en même temps que je fais la vidéo. Oh là là, c'est extrêmement compliqué. Pas tomber. Allez, 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 allez. Allez, allez. Ah non, non, c'est pas là. Faut que j'arrive à battre mon score. Allez, là, on accélère parce qu'il faut passer là-bas. Bon, j'ai fait qu'une faute, déjà, c'est déjà bien. Allez, médaille d'or, médaille d'argent. Bon, je vais vous faire quoi, en fait? Les trucs, c'est que je vais pas faire... Je vais pas essayer d'avoir la médaille d'or pendant les vidéos, parce que sinon je pense qu'on va passer un temps fou. Ah si, 233e mondial, 1000 mondial. Donc je vais, ça je le ferai hors vidéo. Et puis c'est un jeu en fait que je pense qu'il va durer très très longtemps, parce que vous pouvez voir que là je fais le mode carrière, mais dans le, à côté de l'icône carrière, il y a un truc que je sais plus c'est quoi le nom. C'est c'est les gens qui créent leur piste et vous pouvez rouler dessus. Wow. Et c'est vraiment, franchement, c'est vraiment un jeu de simulation. Hein. On est loin des jeux de trial sur jeu flash. Quoi. Pour l'instant, ça va, je gère à peu près. J'espère que vous attendez pas les joysticks, mais ça m'étonnerait. Ah là, je suis mal retombé. Ah, ça, c'est aussi les changements de décor, c'est assez chaud à contrôler. Et mets-toi bien sur ta moto. Allez, freine. Attention qu'il n'y a pas de voiture. Oula. Ah, j'ai passé de vitesse. J'ai passé de boulet. Allez. Hop, on va le prendre doucement. Voilà. Oh non. Oh. Oh. Oh, mais quel... Comment j'ai bien géré, quoi. Hop, on fait tomber ça. Oh là là, il faut vraiment y aller mollo, ouais, quoi. Ah, l'arrivée, elle est là. L'arrivée, elle est là. Médaille de bronze, c'est une honte. Bon. Allez, allez. Je pense que par vidéo, je vais faire un stage. C'est-à-dire que là, je vais finir celui-là, donc jusqu'à cette dernière map. Et ensuite, je ferai une autre vidéo, le deuxième épisode pour le deuxième stage, etc., etc. Donc, je sais pas, ça va durer combien de temps à peu près. Mais si je galère vraiment à finir les courses, je pense que ça va prendre un certain temps. Allez, troisième course. Et pour les défis, je verrai si je les fais hors vidéo. Wouhou! Allez, backflip. Et le backflip, faut vraiment pas y aller trop fort, hein, sinon... Oh là là, mais quelle pression. Quelle pression. Oh là là, en plus il fait noir, j'aime pas, moi. Allez, 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 monte. Escargot. Wouah, c'était quoi ça? Mais j'ai décollé, quoi. Oh, je suis pas tombé. Backflip, rien que pour vous, je freine, je ralentis. Ah, oh non, non, c'était honteux ça. Je me suis mal réceptionné, on va dire. Allez, go. Hop, on passe au-dessus. On retombe dans la pente, c'est merveilleux. Hop, en dessous, en dessous, en dessous. Voilà, et la ligne d'arrivée, elle est là. Et le mec, il galère à faire toute la course, et en fait, à la fin, il crève comme une merde. Il tombe. Donc, médaille de bronze. Pour l'instant, c'est vraiment honteux à mes scores.
Mais ça, je ferai tout en off parce que je crois que je vais vraiment le sécher, ce jeu. Bah, il faut déjà que je m'habitue à la sensibilité. Je sais pas si on peut régler la sensibilité là-dessus, parce que pour moi, elle est tellement puissante. Mais en même temps, peut-être c'est parce que je sais pas encore très bien gérer avec la manette. Ouh. Et puis après, je pourrais avoir également des autres motos, des autres casques, personnaliser mes motos, etc. Il est vraiment bien fait, ce jeu. Alors pour l'instant, ouais, j'ai vraiment du mal. En même temps, je connais pas les maps, donc voilà, vous voyez, je me réceptionne mal, donc je perds du temps, etc. Donc, Allez, backflip. Yeah. Pff, je me réceptionne très mal, là, vous voyez, à chaque fois. Regarde, hop, là, je perds franchement beaucoup de temps, déjà, et de vitesse. Hop, oh là là. En plus, là, à chaque fois, j'accélère comme un cinglé, mais c'est peut-être pas ça. Il faut plus, peut-être, gérer pour retomber dans des pentes. Et moi, je fais tout l'inverse, en fait. Allez, 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 allez. Yeah. Ah, ça passe pas là. Oh, c'est bon, j'ai pas ralenti. Non, pas le backflip. Ouais, ça passe. Yeah. Allez, allez, ligne d'arrivée. Oh, médaille d'or. Youp. Médaille d'or, c'est pas une médaille d'or là. C'est ce que j'ai fait, zéro faute. En fait, je crois déjà pour avoir la médaille d'or, faut faire aucune faute. Et ensuite, faire un bon temps, je pense. Allez. Donc là, dernière course, parce qu'après c'est pas une course, mais c'est un jeu d'arcade, comme vous avez pu voir sur plusieurs vidéos d'autres youtubeurs, comme Paf le pilote, etc. Celui-là, je sais plus c'est lequel le premier. Alors, interdit aux motos. Wow. Ouh, ok, il m'a fait une petite surprise. Allez, go. Hop, je retombe bien, c'est superbe. Hop, on ralentit un peu. Superbe. Oh, pour l'instant, je me débrouille pas mal sur cette course. Allez, allez, ça passe. Ah, j'ai ralenti un peu, c'est pas grave. Ça passe. Ah, j'aurais dû ralentir par contre là. Ah non, oh parfait. Un petit front flip on. Oh non. Je voulais faire un petit front flip freestyle, mais dès que je veux faire du freestyle, c'est tellement sensible quoi, que. Allez, un petit coup de frein. Super. Voilà, j'ai passé un backflip. Hop. Ah là, j'aurais. Je sais pas s'il fallait que j'accélère ou que j'attende un peu. Hop. Ouh, et ça va vraiment être compliqué quoi. Bah là j'aurais pas la médaille d'or déjà parce que j'ai fait deux fautes. Mais en tout cas c'est juste pour vous faire découvrir les pistes que je fais ça. Et on verra plus tard. Hop, pour le reste. Ah c'est pas fini, je crois que c'était fini. Allez là, la fin, allez là. Hop là. Plouf. Oh non. Ah, il s'est d'abord explosé contre les cailloux. C'était tout simplement magnifique. Donc je pense que je vous mettrai, moi je pense que je vais tout tourner d'un coup, mais je vous mettrai un épisode tous les samedis, parce qu'on est samedi. Pourquoi le samedi? Parce que la première vidéo, là je le fais, on est samedi 10 mai, il est 20h44, et voilà, ça sera tous les samedis un épisode. Donc là je vous le mettrai peut-être ce soir, je verrai. Donc parviens le plus loin possible sans te pencher, ok. Donc faut pas que je me penche. Et c'est galère, hein. Attendez, je le refais parce que là c'était chaud. Non, on va essayer. Alors faut pas que je me penche, mais comment. Ah ouais, en fait faut que je gère tout avec la vitesse. Ouh là là. Hop, pas trop vite. Et c'est chaud. Nouveau record personnel, merci. Quel record de merde. Alors là on va accélérer un grand coup. Mais c'est pas possible quoi. Bon, je vais essayer encore quelques fois et puis après on verra. Mais là c'est vraiment chaud quoi. Je peux pas le prendre plus doucement ce truc. Hop, doucement, doucement. Et là, on accélère. Oh non, j'ai accéléré trop fort. J'avance petit, j'augmente mon record personnel petit à petit. Et c'est vraiment compliqué, hein. Hop, allez. Non, oui, oui, oh non. Et non, il s'était bien replacé. Bon, allez, je crois que mon record, ça doit être 38. Faut que je passe au moins les 50, quoi. Faut pas déconner. Je suis pas si nul à ce point, quand même. Ah bah ouais, j'arrive trop vite ici. Bon allez, là ça fait 14 minutes que je tourne, à 15 minutes j'arrête. Si je m'améliore pas, j'arrête. Hop, là on le laisse descendre, et en bas de la pente on réaccélère. Oui, oui c'est bon. J'ai passé les 50 mètres, c'est une... Et merde. Bon, 63 mètres, j'ai eu que la médaille de bronze. Bah tant pis. C'est comme ça, et je vais débloquer donc le deuxième monde de carrière, si je dis pas de bêtises.
Donc on va la regarder. Oui, j'ai débloqué Open Arctic. Donc vous voyez que la barre jaune qui se trouve à Bosquet des Bleuets, elle est pas entièrement remplie. C'est ce que j'ai pas eu. J'ai pas fait tous les défis, que j'ai pas tout eu en médaille d'or. Et voilà, donc on va se retrouver pour le prochain l'épisode 2, donc samedi prochain. Moi je vais le tourner sûrement juste après. Et donc vous voyez, regardez là, je suis à piloter, mais après j'ai garage normalement. Non, pas ça, retour. J'ai garage, donc après je peux faire moto, pilote, pour changer mes vêtements, classement, les statistiques, etc. Et ensuite, regardez, je peux créer mes parcours. Là, c'est les parcours qui ont été créés par les autres pilotes. Ça, je ne sais pas, ça doit être sûrement les musiques. Le mode multijoueur et le marché qui est avec un Giant Season Pass en ligne. Donc comme je vous l'ai dit, pour les joueurs PC, achetez-le sur Instant Gaming. Pour les joueurs Xbox, sur le marché, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus avantageux. Et pour les joueurs PS4, je pense que sur le PlayStation Store, ça sera toujours également moins cher. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. En tout cas, s'il vous a plu, pensez à me laisser un maximum de pouces verts et à me dire en commentaire si cela vous a plu. Et on se retrouve pour le deuxième épisode de ce Let's Play sur Trial Fusion. Je vous dis à bientôt tout le monde, portez-vous bien. C'était Monsieur Mouret, ciao ciao.